Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie sur la collection Chromazone de chez Shiglam que j'ai eu à Noël de la part de mon chéri. Je vous ai déjà fait une première partie, c'est la revue et les swatchs que je vous mets dans le petit, soit ici, honnêtement je sais jamais de quel côté c'est. Et aujourd'hui on va du coup tester le make-up sur les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil par make-up en fait pour pouvoir tester un maximum de produits. Petit disclaimer, je sais que mes cheveux bavent de partout, c'est pas très très joli, mais je me coifferai après, j'ai fait des tresses hier, donc c'est un peu compliqué, j'ai un peu des boucles, mais pas trop de boucles non plus. Donc je me coifferai après que les make-up soient terminés et on va commencer la vidéo. Déjà, j'ai bien envie de commencer avec la première palette, qui est la palette Time Wrap, comme ça, donc celle où j'ai mes tonalités préférées. Donc on va commencer avec celle-ci et je vais essayer d'utiliser pour ce make-up-là un liquide eyeshadow, ça serait pas mal, donc c'est parti. Du coup, je vous ai légèrement rapproché, histoire qu'on puisse voir correctement le make-up des yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre un pinceau ultra fluffy et je vais appliquer du coup cette couleur-ci tout simplement dans le creux de paupière. Donc je vais commencer avec cet œil-là. Si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon miroir sur le côté et ça va être beaucoup plus facile puisqu'il n'y a pas en fait de petit miroir dans ces palettes-là. D'ailleurs, c'est bien dommage, je trouve, et en fait, je vais l'appliquer tout simplement dans mon creux de paupière, histoire que ce soit une teinte de transition. Je trouve que c'est un fard mat qui est... Il est facile à estomper, hein, on peut pas dire. Par contre, niveau pigmentation, j'ai déjà vu beaucoup mieux. Et Shiglam m'a attendu à mieux parce que en soi, ça se construit. Hein, mais j'aurais aimé quand même un petit peu plus de pigmentation dès le début. Ça m'éviterait en fait de replonger constamment le pinceau et d'essayer constamment en fait de récupérer de la matière. Du coup, au niveau de la construction de mon fard, ça va se terminer ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai quand même bien creusé du coup ma paupière. Donc je suis plutôt contente. Ce que j'aurais aimé beaucoup faire, c'est changer totalement de mes looks habituels. Donc je vais essayer de prendre un pinceau beaucoup plus petit cette fois-ci, s'il m'en reste des propres. Je vais prendre celui-ci qui est du coup un petit peu plus petit et j'aurais aimé en fait utiliser ce fard kaki là pour le mettre en extérieur et en intérieur et que je relierai en fait au centre avec les deux pour pouvoir ensuite mettre un fard liquide. Donc on va essayer de faire ça, j'espère que la pigmentation sera bien et que ça sera en fait assez profond comme couleur pour pouvoir avoir le résultat que je souhaite. Du coup je vais essayer de venir le mettre en extérieur. Toujours en ayant cette forme un peu de V parce que c'est moi ce qui me va le mieux. Si je fais des formes trop arrondies en fait, étant donné que j'ai une espèce de bosse par ici et que j'ai l'œil rond assez de base quand même, ça va venir me faire un résultat que je ne vais pas du tout aimer. Donc c'est pour ça que je mets toujours, même si de base c'est une forme de rond, j'aime bien quand même mettre ce triangle extérieur parce que c'est tout simplement ce qui me va le mieux. Et voilà. Donc, je vais venir aussi en mettre à l'intérieur, histoire que ça se voie. Franchement celui-là, niveau de la pigmentation, j'en suis vraiment plutôt contente. Il est très joli. Je l'aime beaucoup, c'est un très beau kaki. J'aime énormément les couleurs vertes pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Et ce kaki est vraiment très joli. Et du coup, je vais venir tout simplement relier dans le creux au milieu des deux. Il s'estompe plutôt bien, plutôt joli. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup. Je me demanderai par contre si j'irai pas intensifier quand même avec le marron de la palette. Parce que j'aime bien intensifier tout. Du coup, est-ce que j'ai un pinceau un peu plus précis? Oui. Je vais prendre ce petit pinceau-là qui est beaucoup plus précis. Et je vais du coup venir utiliser le petit marron ici qu'il y a dans la palette. Pour pouvoir essayer d'intensifier encore un tout petit peu. Parce que j'aime bien les make-up intenses. Je vais vraiment l'appliquer bien en précision. Que ce soit dans le coin externe ou dans le creux. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir prendre directement un gros pinceau pour enlever tout simplement les chutes qui sont tombées. J'ai eu quelques chutes mais au niveau du marron, mais c'est parce que je n'ai pas utilisé le bon pinceau et je le sais. Donc ça c'est vraiment pas la faute du fard, c'est vraiment la faute moi du pinceau que j'ai utilisé. Donc voilà ce que ça donne, le résultat est pas forcément le plus joli, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup venir utiliser ce fard-ci là. Que je vais utiliser mais que par la suite parce que j'aimerais bien trouver du coup un fard liquide. Pour le fard liquide, j'avais pensé à prendre celui-ci que moi je vois vert et que vous voyez doré, cuivré, un peu cette couleur-là. Moi je le vois vert. Oh là, vous le voyez. Vous voyez, ça c'est normal.
Et ça, c'est la couleur que moi je vois. Oh waouh! Que je vais tout simplement venir appliquer directement avec le petit goupillon sur ma paupière. Il n'est pas trop en transparence, donc franchement, ça va. Je vais venir du coup l'appliquer au centre un peu comme un halo lumineux. Donc comme ça, moi je le vois, mais d'une magnificence ce produit. Il est absolument sublime. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais directement venir estomper avec du coup ce fard-ci qui est ici. Donc l'iriser, histoire d'estomper correctement les bords. Je ne vais pas attendre qu'il sèche trop parce que j'ai peur qu'après ça fasse des taches. Mais du coup, je vais venir rajouter ce petit fard irisé pour estomper. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de produit. Je ne sais pas si vous, vous êtes autant en kiff que moi sur ce genre de produit, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais venir du coup un peu le rallonger vers ici. Hop. Et au final, j'ai pas du tout la forme que je voulais de base, mais c'est pas très très grave. C'est vraiment plutôt joli. J'aime beaucoup. Je voulais vraiment faire l'effet, vous savez, arrondi. Finalement, c'est pas trop l'effet que ça a donné, mais c'est pas grave parce que je suis quand même contente. C'est quand même vraiment joli. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser un crayon pour pouvoir le mettre en muqueuse et pour pouvoir l'estomper par la suite. Je vais tout simplement le mettre en muqueuse et le mettre aussi du coup en dessous pour pouvoir l'estomper. Là, je vais me servir de ce miroir là. Donc vous allez me voir m'approcher parce que sinon je vais me faire mal tout simplement. Donc je le mets en muqueuse. Il est très joli en muqueuse, hein. Il fait un effet magnifique en muqueuse. Il s'applique bien sans faire de tâches et tout, vraiment très joli. Et du coup, je viens aussi l'appliquer en dessous. Et je viens en fait remonter comme ça en faisant un petit trait que je vais venir hop, remettre au niveau en fait de ma pliure. C'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement et j'aime beaucoup. Regardez-moi cet effet absolument magnifique. J'aime beaucoup ce crayon, est magnifique pour l'instant vraiment. Cette collection reste un coup de cœur pour moi, vous le savez, enfin je vous l'ai dit je sais pas combien de fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup réutiliser le petit fard irisé ici, que j'ai utilisé du coup pour estomper l'autre, et je vais venir estomper en fait ma muqueuse avec celui-ci, donc le dessous, histoire d'avoir un rappel assez lumineux, magnifique, sublime, tout ce que vous voulez, il est trop trop beau. Pour le deuxième œil, je vais repartir, je pense, à peu près sur la même forme et sur d'autres couleurs. Donc on va utiliser cette palette-ci. Je vais utiliser le petit rose là pour le mettre en creux comme j'ai fait en fait pour le petit moutarde que j'ai utilisé de ce coin là. Donc je vais venir le mettre tout simplement en creux de paupières histoire de pouvoir estomper plus facilement ensuite les fards. Assez pigmenté, j'aime beaucoup la couleur et je trouve que c'est une couleur qui pourra très bien aller avec les fards violets que j'ai envie d'utiliser par la suite. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus court, je pense, ce petit pinceau-là. Et je vais venir, du coup, utiliser un fard un petit peu plus foncé, donc celui-ci, toujours un mat. Et là, par contre, je vais venir essayer de creuser, en fait, le coin extérieur et le creux normal, donc classique, très pigmenté. Vous avez vu en un seul passage comment ça a fait. Ça, c'est vraiment le genre de pigmentation que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Je vais venir réutiliser le fard que j'ai utilisé de base pour mettre dans mon creux sans rajouter de matière, histoire d'estomper un petit peu les bords. Parce que bon, c'est joli, mais bon, faut quand même que ça fasse assez estompé et assez propre. Donc ensuite, ce que je vais faire, j'ai bien envie d'utiliser un liquide. Du coup, je récupère celui que j'ai swatché dans le centre, donc ici, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière directement comme j'ai fait pour l'autre. Donc je le pose comme ceci, et là du coup je vais venir l'estomper, et pour l'estomper du coup je vais encore utiliser un fard qui est disponible dans la palette. Du coup je vais venir l'estomper, et pour l'estomper je vais utiliser, je pense, ce fard-ci qui est plutôt joli, comme c'est en creux de paupières que j'ai envie de l'estomper, et vers l'extérieur ça pourra même intensifier un peu le make-up. Donc je vais venir estomper avec ce petit fard-ci, j'espère pas faire une catastrophe. Ça ressemble légèrement à une catastrophe. Ouais, je crois que j'aurais mieux fait de faire autre chose. Écoutez, on va voir si on peut rattraper ça. Il est très joli ce fard par contre. Fard encore une fois très pigmenté, c'est plutôt pas mal. Au niveau du fard, hein. Pas au niveau de la catastrophe que je viens de faire, mais au niveau du fard c'est plutôt pas mal. Ça me permet d'intensifier un petit peu mon creux, tout en gardant ce côté irisé pour que ça aille bien quand même avec le choc. Donc je vais venir reprendre du coup le fard un petit peu rosé, histoire, enfin le pinceau sans rajouter de matière, un peu rosé, histoire de bien estomper tout ça. Mais ça me paraît pas mal.
À part la petite tache là que j'ai fait à l'intérieur. Ça, je vais voir si avec un point lumineux, je peux arranger. Et comme ça a un petit peu fait sortir le produit, du coup, je vais venir en remettre un petit peu dans le centre. Là, histoire de réintensifier un peu. Et voilà ce que ça donne. Au niveau de l'intérieur, je vais vraiment essayer de rattraper ça. Pour rattraper ça, je vais venir prendre un pinceau assez fin comme ceci. Et je vais venir utiliser, même si ça me fait très peur, le fard là qui s'effrite. Mais regardez-moi ça, comment ça s'effrite. Quand j'utilise le fard, enfin, ça va être une catastrophe. Donc je vais venir utiliser mon spray fixateur de chez Sephora qui est dans mon Project Pan, histoire d'éviter d'avoir trop de chute et d'intensifier un petit peu ce fard-ci. Et je vais essayer de le mettre en fait en coin interne, histoire d'éclaircir en fait un peu ma boulette. Avec le spray fixateur, il tient bien. Et du coup, je vais venir essayer de le remonter légèrement pour faire un espèce de petit dégradé de lumière. Bêtise corrigée! Je suis trop contente quand ça arrive comme ça. Par contre, du coup, j'ai pas fait de coin de lumière dans celui-là. Est-ce qu'on ferait pas la même chose? Bien sûr que si. Ah, bah vous voyez, là, j'ai pas remis de spray fixateur. J'ai des chutes absolument partout. Donc, fard qui s'effrite et obligation de spray fixateur si vous voulez avoir un minimum qui reste sur vos paupières. Là, je suis pas fan de ce fard-là. J'avoue que, mais par contre, une fois que le spray fixateur est mis, il est absolument sublimissime. Il s'étale super bien. Mais par contre, là. Ces chutes-là, c'est pas possible et je vais vous montrer l'état de la palette. Oh putain, en plus c'est un fard irisé, donc je vous dis pas pour balayer les chutes. Là, j'en ai pas trop. Non, là, j'en ai même pas du tout. Mais par contre, regardez-moi l'état de la palette, quoi. Enfin, franchement, là, c'est en train de s'effriter de partout. Ça, c'est pas possible. Mais le reste, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les deux make-up. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme pour cet œil-là, pardon. On va utiliser un petit crayon et je pense que je vais utiliser celui que moi je vois violet et que vous, vous voyez vert. Du coup, je vais faire comme pour l'autre, je vais me rapprocher ici pour pouvoir le mettre en muqueuse et en dessous. Pareil, il est très pigmenté, il se dépose très très bien dans la muqueuse. Il est absolument magnifique, je ne sais pas si vous verrez correctement les reflets, mais il est magnifique et je viens le déposer en dessous aussi, histoire de pouvoir laisser tomber par la suite et du coup, je viens faire mon raccord. Comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup faire et je viens du coup crayonner pour que ça retourne dans l'angle. Franchement, ces crayons là, c'est une pépitas pépitas pépitas. Et pour estomper ça, du coup, je vais prendre ce fard là qui est absolument magnifique, donc toujours avec un petit pinceau comme ça court et assez dur on va dire pour pouvoir estomper en dessous. Le fard est magnifique, l'effet est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup 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 les make-up. Autant celui-ci que celui-ci, ils sont absolument fantastiques. Du coup, pas du tout transparent, ça c'est bien. Par contre, j'ai quand même remis une deuxième couche pour avoir de l'intensité. Super bien. Les crayons, ça glisse tellement bien que ce soit dans la muqueuse ou sur la peau. Très pigmenté, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va terminer avec bien évidemment l'highlighter, qui est, c'est officiel, l'un de mes produits préférés. Donc, on va venir le mettre ici. Parce que c'est trop beau. On va venir le mettre sur le bout du nez, bien évidemment comme d'habitude. Moi j'en mets toujours un petit peu là pour avoir cette impression de nez un petit peu plus grand. Voilà, moi j'aime bien. Et du coup au niveau des pommettes. Et j'espère vraiment que là avec les éclairages que j'ai mis, vous verrez à quel point il est beau. Oui, j'en remets un petit peu plus parce que j'aime énormément avoir énormément d'highlighter. Je me dis que bon, écoutez, l'highlighter c'est la vie. Voilà, donc bon. Pourquoi s'en priver? Je ne sais pas. Donc je ne m'en prive pas. Voilà. Petit highlighter posé. Je vais venir mettre un rouge à lèvres et je reviens. Je viens d'avoir une idée. Je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure idée du monde. Vraiment pas. Mais je me dis, pourquoi pas? Je fais partie de ces gens qui adorent mélanger plein de make-up et ne pas forcément les utiliser comme c'est prévu de base. Du coup, je vais venir utiliser un liner et un produit pour les yeux, pour mettre sur les lèvres. Oui, je sais, là vous êtes en train de vous inquiéter. Mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça soit joli. Je vais venir sélectionner mon crayon et je vais venir tout simplement dessiner mes lèvres avec. Et oui, on va essayer de faire ça. Il est magnifique. Et il glisse super bien sur les lèvres aussi. Je rêve vraiment d'une marque qui me fasse des produits comme ça pour les lèvres. Là, on est pas mal. Du coup, j'ai fait le contour et j'ai rempli très très rapidement avec ce crayon. Je sais que ça va pas plaire à grand monde, mais moi je suis le genre de personne qui adore avoir des produits chelous sur les lèvres. Voilà. Et du coup, pour le petit, on va dire top coat que je vais mettre par-dessus, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. J'ai juste peur que ça me tache en bout, mais je le nettoierai au pire des cas. Donc on va utiliser celui-ci là, histoire d'éclaircir un peu.
Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attendre que le produit est séché. C'est quand même des produits pour les yeux, donc je vais attendre que c'est séché correctement pour vous faire les gros plans. En attendant, je vais mettre mon mascara. Je ne mettrai pas de faux cils, mais je vais mettre mon mascara. Et pour le coup, vous voyez bien que le liner en fait sèche ultra rapidement puisque je n'ai aucune trace sur mon embout goupillon. Donc ça, c'est absolument fantastique. Je mets mon mascara et je vous retrouve. Je vous ai rapproché. Je sais que le cadrage n'est pas le meilleur, mais j'avais vraiment besoin de vous montrer la beauté absolue de ces make-up. Ils sont tellement beaux. Et regardez l'effet sur les lèvres. C'est absolument sublimissime, somptueux. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous trouvez. Mais moi, je trouve ça d'une magnificence absolue. Et voilà, la vidéo sur le make-up de la marque Shiglam est terminée. Enfin, de la collection Chromazone de chez Shiglam est terminée. Je viens de vous filmer en gros plan, en fait, avec une bonne lumière au-dessus, les reflets de ces produits qui sont absolument sublimissimes. Je sais que c'est pas le meilleur cadrage du monde, mais je tenais vraiment à vous montrer tous les reflets de ce make-up. Franchement, je suis fan, fan, fan à 100% de cette collection. Je suis complètement satisfaite de ces produits. Donc franchement, si vous voulez des produits comme ça, duochrome ou même chromatique pour vraiment pas cher, n'hésitez pas à foncer parce que moi, je suis trop contente. Je sais que les crayons vont se terminer plutôt rapidement et je serai dégoûtée une fois que je n'en aurai plus. Mais franchement, ils sont trop trop bien. Donc je vous invite, si vous aviez encore des doutes, à foncer sur cette collection qui est beaucoup trop belle. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez le look 1 ou le look 2, et si vous auriez eu le cran en fait de mettre ce genre de produit sur les lèvres, n'hésitez pas à mettre tous en commentaire, je suis toujours très ravie de lire vos petits commentaires, ça me fait toujours un max plaisir. Et voilà, du coup la vidéo crash test de ces produits est maintenant terminée. J'espère en tout cas de tout cœur qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.